On a toujours eu en tête un tour du monde. On s'était dit que dès que Charlotte irait mieux, on partirait faire un tour du monde. Le tour du monde, c'était peut-être un peu trop ambitieux. Donc on a décidé un premier road trip. Ça sera un premier grand, très beau projet, un road trip autour de l'Adriatique pour l'aventure, parce qu'on veut montrer à Charlotte que sa vie ne se limite pas aux quelques mésaventures du quotidien, mais plutôt à l'aventure avec un grand A. Nous montrer à nous, montrer à Charlotte et peut-être aussi à tous ceux qui vont nous suivre que l'accessibilité, c'est possible, que malgré le handicap, on peut partir faire du sport, partir en randonnée, faire du vélo, du paddle, du bateau, etc., etc. Pour le road trip et partir en aventure, il nous a fallu réfléchir à un équipement spécifique pour les activités d'extérieur. C'est un chariot en fait qui peut s'adapter, s'accrocher au vélo. Donc là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec le handicap. Hein. C'est quelque chose, c'est un matériel de puériculture qu'on trouve dans le commerce. Et ce chariot, pour que Charlotte soit bien maintenue dedans, ce qui n'était plus le cas, parce qu'elle a beaucoup grandi en un an. Donc la Garrigue, son appareilleur, nous a fabriqué une assise sur mesure qu'on va insérer dans le chariot. C'est parti. Allez, t'es bien? C'est parti. Ouais. C'est parti, mon petit. Allez, go. On va courir vite. On va vite. Oui. Le siège mousse à l'intérieur du tulle, il a été fait sur mesure, donc nous avons pris des mesures avec un sac à billes, donc c'est un sac qui est rempli d'air et de microbilles à l'intérieur, et quand on le dégonfle, il vient prendre la forme donc, de Charlotte qui est ici, et la forme extérieure, elle épouse le tulle pour que vraiment qu'il soit calé, donc, vu que Nicolas et Aline ils vont réaliser des prouesses sportives, donc avec de la course, du vélo, il fallait que Charlotte soit vraiment calée, que ça ne bouge pas. Et Charlotte, elle est en position avec un angle fermé, tronc bassin, pour justement essayer de contrer son schéma d'hyperextension. Donc vous pouvez voir là, elle est toute détendue, ce qui lui permet d'accepter de faire le sport détendu. Là, on a essayé pour la première fois la semaine dernière, ça va super bien, elle est hyper bien tenue dedans, donc on est rassuré, parce qu'on va vraiment pouvoir utiliser cet appareillage-là pendant notre trip et d'avoir vraiment des moments en famille, de partage, comme toutes les familles finalement, et de mettre de la normalité dans la vie de Charlotte et dans la nôtre. Hello! Alors, c'était bien? Ça va vite, hein? T'es bien? Encore papa!